Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Shanna qui s'énerve après avoir été comparée à Jessica Thévenin. Hier, la chérie de Jonathan a posté plusieurs photos de sa nouvelle silhouette pour vanter les mérites de leur programme sportif. Mais sous son post Instagram, Shanna a dû faire face à plusieurs commentaires lui reprochant de trop retoucher ses photos. Une internaute l'a même comparée à Jessica, qui est donc la femme de son ex Thibaut avec qui elle est en froid. Très agacée, Shanna a tenu à faire une grosse mise au point. Elle dément retoucher ses photos et réagit à la comparaison avec Jessica. Shanna tacle d'ailleurs celle qui abuse des filtres, des retouches et de la chirurgie esthétique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, j'étais en train de vous répondre en commentaire. Ah, mon fils est content. J'étais en train de vous répondre sous ma dernière photo parce que, en fait, j'ai vu des gens qui ont mis un commentaire, enfin une fille qui a mis un commentaire en disant qu'il fallait arrêter de retoucher ses photos, faire genre que en gros c'était pas la réalité et que j'avais pas ce corps-là. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'aujourd'hui il y a tellement de filles qui utilisent des filtres et qui font de la chirurgie que en fait toi qui fais du sport qui te déchire entre guillemets et qui essaye d'arriver à ton objectif, ben pour les gens c'est pas possible, t'es obligé de passer par la case filtre, modifier ses photos, faire de la chirurgie esthétique. Donc vous savez quoi, j'ai le shooting photo là de toutes les photos qui n'ont absolument pas été retouchées, parce que faut savoir quand tu fais un shooting tu prends les photos et ensuite tu les sélectionnes si t'as envie de les faire un peu retoucher au niveau de la couleur, etc. Toutes mes photos sont là et je vais vous montrer parce que vraiment c'est quand même assez drôle quand même. Donc voilà, je suis sur toutes les photos, regardez, donc je vous montre. Donc ça, c'est les photos qui ne sont absolument pas retouchées. Voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence avec celle que je vous ai postée? Ben, je crois pas, parce que du coup, ben, la photo n'a pas été retouchée. Je vous dis vraiment, j'ai retouché à peine les couleurs, mais je n'ai absolument pas modifié le corps. Donc voilà. Il y en a même des photos que j'ai pas mises encore parce que voilà, parce que j'avais pas envie. Donc voilà, c'est d'autres modèles de photos. Et ça, c'est les photos qu'on a prises avec Joy, donc qui a fait les photos, les vidéos avec nous, qui est modèle, qui fait du sport. Donc il n'y a aucune retouche sur ces photos. Donc à un moment donné, enfin, arrêtez de parler pour rien, les gens, vous êtes vraiment, mais c'est... Enfin bref, voilà. Ah, ça n'a pas été posté, ça encore. Bon, le petit commentaire, là, mis à part le prénom, ça, je m'en fous. On aurait pu écrire n'importe qui, je m'en carre. C'est juste histoire de dire que mes photos ont été retouchées. C'est ça qui m'a touchée, qui m'a énervée, parce que je me suis vraiment décarcassée. Ça a été dur, les amis. Psychologiquement, c'était vraiment pas facile, mais j'ai réussi à atteindre mon objectif. J'ai fait ce qu'il fallait pour retrouver mon corps, avoir un ventre plat, pas avoir de cellulite et pas être obligé de passer par la case chirurgie, filtre, ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas pour ma part, c'est pas du tout ce que j'aime. J'aime être moi, j'aime me donner les moyens d'y arriver, j'aime faire tout ce qu'il faut pour y arriver et pas faire ça. Maintenant, s'il y a d'autres filles qui décident de le faire, c'est leur problème, mais quand on vient me dire à moi, tu retouches trop tes photos, je sais pas quoi, ça me gonfle parce que je vous assure que vraiment, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions pour en arriver là et je suis fière d'avoir un corps comme ça aujourd'hui parce que j'y suis arrivée. Donc je pouvais pas passer, j'étais obligée de... Bon, en fait, je me suis dit le meilleur moyen de faire taire toutes ces mauvaises langues, les gens qui sont like, qui like des commentaires, je me suis mis en maillot de bain et je vais vous montrer ma silhouette en vidéo. Voilà, comme ça au moins, vous aurez la vérité. Nous sommes en vidéo, il n'y a aucun filtre, je suis dans une chambre. Bien évidemment, quand on fait une séance photo, la lumière est mieux. Donc tu as l'impression que la peau, elle est bien bronzée, etc., etc. Automatiquement, on est maquillé, coiffé, ce que je ne suis pas au niveau du visage et des cheveux. Mais la silhouette, c'est celle-ci. Je porte un maillot rose sur la photo, je fais cette position-là, voilà, tu vois, tac. C'est ma silhouette aujourd'hui. Bien évidemment, quand on fait des photos, les amis, on va accentuer les positions, comme par exemple si tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire, on est sur des photos, mais là je suis en vidéo, je n'ai pas de cellulite, j'ai le ventre plat, j'ai réussi à regonfler mes fesses. Donc voilà, j'avais besoin de montrer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses sur les réseaux que bah, y a des gens qui pensent qu'on est obligé de passer par la case chirurgie et mettre des filtres. Bah, désolé de vous décevoir, mais si on se donne les moyens, on n'est pas obligé de faire ça. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut, mais pour ma part, je fais du sport et je mange bien.
Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter un petit éclair si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.